toutes et à tous. Alors, on va parler un peu de la politique, parce que c'est très intéressant, la politique. On a un président qui a fait une conférence de presse de plus de 2 heures pour ne rien dire. On a un ministre de l'économie qui va nous augmenter encore les taxes sur l'électricité, parce qu'il ne faut pas se tromper, les augmentations ne sont pas liées à un quelconque problème de payer cette énergie. Les augmentations sont uniquement liées aux taxes qui augmentent. Hein, c'est vrai pour l'essence, c'est vrai pour le gaz, c'est vrai pour le fuel, c'est vrai donc pour l'électricité, c'est vrai pour le tabac, c'est vrai pour les timbres, c'est vrai pour tout, quoi. Et tant qu'on aura ça, eh ben, on n'aura pas notre pouvoir d'achat qui peut changer, sauf à baisser. Et il baisse. Alors j'ai eu des documents qui montrent que, ne serait-ce que dans l'alimentaire, les hausses des prix sont très importantes, y compris dans les grandes surfaces qui, soi-disant, sont là pour protéger notre pouvoir d'achat, mais qui protègent plutôt leurs bénéfices. Et tant que c'est comme cela, eh bien nous, c'est-à-dire le Pékin, là, le bon citoyen de base, eh bien nous, on est en difficulté. Parce que pour se chauffer, c'est de plus en plus cher. Pour bien manger, c'est de plus en plus cher. Et qu'est-ce qui va nous rester, hein, avec l'insécurité en plus qu'on a partout? Parce que maintenant, c'est partout l'insécurité. Avant, c'était dans peut-être les grandes villes ou certaines grandes villes. Maintenant, c'est quasiment partout, y compris dans des villages. C'est dire que ça va très bien. Et on a des politiciens d'un côté à gauche qui sont très contents de Macron est très content de lui, hein, Macron et ses ministres sont très contents. De l'autre, on a une opposition qui est quasiment totalement absente, parce que quand la gauche, là, quand le gouvernement, on ose nous dire, il se droitise, là c'est vraiment qu'on nous prend pour des cons, hein, j'ai pas trouvé d'autres mots là. Et franchement, l'opposition, elle est où là? Hein? Alors à chaque fois, c'est facile de démonter ce que fait ou ce que dit ce gouvernement. Et par contre, l'opposition, il n'y en a plus. C'est fini. Alors ils se préparent pour les européennes, donc ils n'ont pas le temps de s'occuper des Français. Et c'est comme cela que toute cette politique pourrie, avec des médias complaisants, hein, parce que bon, je ne veux pas entrer dans le détail de tout cela, mais les médias sont très complaisants avec la gauche. Pourquoi? Bah, c'est simple, presque tous les journalistes d'ailleurs sont de gauche, et quand on nous dit que telle chaîne elle est formidable parce qu'il donnerait la parole à d'autres et tout, je crois que les gens ils ont un petit problème d'audition, hein, ils sont un peu sourds, parce que franchement, tout est à gauche, c'est clair et net. En fait, on est dans un pays communiste, tout simplement. Il nous manque plus maintenant que on n'a pas encore l'histoire du KGB là, ou de ce qui se passait en RDA, mais on y vient tranquillement parce qu'il y a plein de lois qui sont faites. Dès que vous mettez, par exemple, sur les réseaux sociaux, une phrase qui ne plaît pas et tout, pas vous êtes suspendu 3 jours, une semaine, 15 jours, etc. On finit par plus y aller. D'ailleurs, sur certains réseaux sociaux, il n'y a plus personne. C'est simple. Et on peut mettre ce qu'on veut, il n'y a plus personne. Il y a quelques fidèles encore qui restent un petit peu. Donc, dans ce système, si nous, on ne prend pas en main notre destinée, eh ben, on aura une France qui ne sera plus la France. Parce que pendant que le président dépense un pognon de dingue qui n'est pas le sien, donc il peut le dépenser, il se trouve que nous avons une montée intégriste en France qui est colossale, colossale. Elle est bien relayée par des partis de gauche. Remarquez un exemple concret, le Parti Socialiste est toujours associé à LFI, alors qu'ils avaient dit que ce n'était pas normal ce que LFI avait dit ou fait, ils sont toujours ensemble. Alors, rappelez-vous qu'au moment de ce qui s'est passé en octobre, les journaux, les médias, vous disaient « ça va exploser ». Ça n'a pas explosé ni implosé, d'ailleurs. Ils sont toujours ensemble. Et ce sont les mêmes, qui professent finalement un racisme important, qui est un racisme quasiment historique pour la gauche. Il faut le savoir. Il suffit de relire un petit peu les grands penseurs d'une certaine époque, par exemple comme Proudhon, qui était le grand penseur de la gauche française. Il était carrément antisémite, mais vraiment comme aujourd'hui, par exemple, l'extrême droite aurait du mal à faire mieux, quoi. Hein. Mais bon, c'est pas grave, ça dure, c'est bien.
On a des parties de collabos, en quelque sorte, qui sont là non pas pour la France. La France, on s'en fout. Ça n'intéresse personne, la France, finalement. On est en train de la déconstruire. C'est ce qu'il a dit, le président, un jour. Il faut déconstruire la France. Ben, il le fait très bien, il n'y a pas de souci, je reconnais. Et en attendant, nous, qu'est-ce qu'on va avoir ? Nos yeux pour pleurer. Voilà, bon, j'arrête là, parce que sinon, comme je le dis toujours, on est mal, on est même très mal. Et puis là, je me dis, on y va vraiment à grande vitesse, hein, carrément. Tout le monde est content, tout le monde va monter dans le train, et ça finira très mal. Voilà, merci à tous. Merci évidemment à ceux qui partagent, ceux qui s'abonnent. Il y en a, paraît-il, de plus en plus, tant mieux, ça fait plaisir. Allez, à bientôt.